Hey, salut tout le monde, je me retrouve au fameux trou numéro 17 du parcours du monde de la base planaire de Sainte-Foy à Québec. Trou, je pense qu'il commence à être assez connu par les gens, assez difficile, un des plus difficiles du parcours. Surtout aujourd'hui, il y a du vent qui rentre. Cette portion-ci là, du parcours, là, c'est un très grand champ dégagé. Il y a beaucoup de vent qui rentre. Aujourd'hui, on a du vent, on voit les arbres qui bougent, ça risque de compliquer les choses. Trou que je joue d'habitude, je vise birdie ou par. Je me donne pas plus que ça. J'ai déjà réussi à faire un eagle ici. Ça prend trois coups extraordinaires pour faire ça. Fait que j'ai mis juste le lien ici de mon Instagram. Tu peux aller voir ça. J'ai fait une petite story avec ça. C'est assez cool. Fait que j'essaie de m'approcher. Puis après mon premier coup, je vais décider voir si je fais birdie ou si je fais par. Tout dépendant où est-ce que je me retrouve. J'essaie de rentrer dans le petit gap en avant. Essaye. Exactement. J'aurais voulu faire ça en tournoi, j'aurais pas eu pu avoir mieux. Trou avant que j'avais beaucoup de difficultés à jouer parce que je n'arrivais pas à le figurer. Je voyais juste la difficulté du trou à place d'essayer de trouver la solution. C'est de la jouer en étape. Puis même en jouant en étape, t'as quand même une chance, si jamais ça va bien, de même t'en sortir avec un eagle. Fait que, tu sais, on s'entend, c'est un par 5 très court, là. C'est un par 5 de moins de 600 pieds. Donc, tout dépendant de comment tu joues. Tu peux sortir ton lapin de ton chapeau ici puis t'en sortir meilleur que toute ta carte au complet. Reste que faut pas aller dans l'eau, faut pas aller out of bounds à droite. Faut faire très attention. Faut que tu joues intelligemment quand même ici en lançant quand même des bonnes distances. Fait que si je m'étais pas retrouvé là dès le départ, je t'aurais dit je vais faire un lay-up pour m'approcher le plus proche du bio-bois sur le bord de l'eau pour après ça essayer de traverser l'eau. C'est une excellente shot. C'est là que je voulais me retrouver dès le départ. C'est hyper difficile de le faire. Là. Ça arrive une fois sur 10 que je réussis à faire ce coup-là. Mais c'est là que je veux me retrouver pour bien attaquer après. Là, il faut passer par-dessus l'eau. Il faut traverser la première rangée d'arbres. Et après ça, il va falloir le plus de chemin possible. Parce que là, on a quand même une belle chance de eagle. Fait que moi, je l'essaye, c'est sûr. J'essaie d'y aller en flic et de passer la première rangée d'arbres. Peut-être me donner une chance d'eagle après. Go. Cool. Bon ça. Avance. En plein milieu de l'allée, d'après moi, on a une belle chance. OK, le panier est juste là. Puis sérieux, on est vraiment bien placé. Quand même à l'extérieur du Circle One, mais pour un look de eagle, là, c'est parfait. Puis en arrière, la route du panier, c'est out of bounds. Fait que si j'attaque pour l'eagle, il faut vraiment que je fasse attention comment je fais mon pote. OK, c'est assuré que j'essaie pour l'eagle. Ça arrive tellement pas souvent ici d'avoir une opportunité d'eagle au Mons. Sur ce trou-là, je pense que c'est lui qui en donne le plus d'opportunités si tu réussis bien tes deux premiers coups. Fait que, for the show. Let's go. Wait down. Let's go. Go in. Ah, j'aurais tellement aimé ça donner un eagle sur la vidéo pour le show. Passer si proche, c'est pas arrivé. Extrêmement content de faire le birdie sur ce trou-là. Pour vrai, là, il pourrait se passer bien des affaires. Ça pourrait facilement virer en bogey, double bogey. Fait que birdie, là, c'est parfait. Bon, c'est pas grave pour les eagles, ça aurait été pour le show, mais birdie, super content. Je m'en vais faire le dernier trou du parcours qui faut absolument faire un birdie sur ce trou-là. C'est dégagé, ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un trou dégagé de même. Fait que grosse drive, j'essaie d'approcher le panier le plus possible. Si vous avez aimé ça, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout tout le monde. Bon 10 golf. Hey, ciao! Thank you.